Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon sabbat avec Jésus, encore une fois. Nous venons répondre aux amis là, qui est Nicolas Etienne qui fait un commentaire en bas en vidéo, nous poster côté nous. Nous te souhaitons chaque monde bon sabbat avec Jésus. Amis ont dit, nous pas en bas la loi, encore, frérot, en bas la grâce, pas de bagay sa yo, wap di là. M'a dit ou mon ami détrompé. OK? Zami pam, ça wap di a ou pa konnen ki ça ou di a avant m'aller ensemble avec ou. Parce que yon pa ket moun ka prêche l'évangile à travers réseau ou bien ki di yon gen Bible nan men yo, mais Bible la gele tête en bas. Moi l'explique. Avant Jésus-Christ, te gen plusieurs lois. Plusieurs types de lois. Mais, il y a une loi qui est abolie, mais il y a une loi qui est retenue. Je vais expliquer qui est la loi qui est abolie et qui est la loi qui est retenue. Zami Pam, avant Jésus-Christ, moi-même, avec vous, les nous te péché, ok? Je prends exemple là sur moi-même avec vous. Les nous te péché, nous avons un devoir pour nous porter un petit agneau sans défaut sur l'autel là-bas, sacrificateur là, pour sacrifier lui, ok? Pour tuer lui, pour sans le capable couler, pour moi-même avoir été capable de jouer, pardon. Mais ça, c'était avant Jésus-Christ, mon frère. Attendez, oui. Prends un caillou, pour prendre note. Mais, Jésus vini, lui mourit, pour moi, ensemble avec vous, eh bien, sans le couler, sans l'efficace, lui laver péché l'humanité. Ok, on nous campe là. Qu'on y a là, loi qui a dit qu'il a aboli y a là, c'était la loi, l'aime te porter petit agneau, des fois qu'il y a eu la loi, c'est cérémoniel. Par contre, si on enseigne ça dans la Bible, ou bien si pasteur là, il enseigne ça, mon ami. En nous aller. Loi, ça te relé la loi cérémonielle. T'as eu plusieurs types de lois, oui. La loi mosaïque et d'autres lois. T'as eu toujours. Mais, loi ça, Jésus vient abolir. OK? Jésus vient abolir, il mourut sur la croix, sans couler, sans ça laver péché l'humanité. Là, pas gain la loi cérémonielle encore. Mais, qu'on y a là, où dit loi est abolie, c'est en bas, grâce au oui, ça, dit c'est vérité. Mais, je vais l'expliquer. Avant nous, aller plus loin. Loi, ça, M'sot poste tout à l'heure qui c'est le Saint Sabbat de l'Éternel, ok? Loi ça fait partie de la loi morale. On va quand ça que la loi morale là, loi qui dit pour me respecter ou pour respecter maintenant, pour me respecter autorité établie ou. Ou pas comme ça? Hein? Ou pas comme qui loi ça relé non? Loi ça relé la loi morale. Le Saint Sabbat de l'Éternel qui c'est quatrième commandement, eh bien il fait partie de loi ça. Qui c'est la loi morale, la loi qui n'a vive là, la loi qui dit pas jambé dans lumière rouge là, si m'jambé, ça bon moi. Y a bon multa ou bien dans l'autre pays y a bon contravention. OK? Eh bien là, c'est pour me capable montrer où. Loi ça ou m'poste d'aller là, le Saint Sabbat. Eh bien loi ça c'est une loi qui a prêté éternellement parce qu'elle c'est le sceau de Dieu. OK? Pour pas commenter yon bagay que pas connaît parce que en pile des fois en pile messieurs yon gen l'église yon fait dans l'église yon fait nous chita depuis pasteur ti Jean parler oui et amen comme moi c'est ça sur réseau tout ça dit nous dit amen nous pas kan ki côté pour nous dit hélas nous pas kan ki côté pour nous dit amen. OK? M'a dit ça dit à même détrompé mon ami. Parce qu'elle dit, le sabbat reste jusqu'à la perpétuité. Ou quand ça perpétuité, elle veut dire, qui sont dans perpétuel, ou quand ça veut dire, son baïen de kabdou, qui synonyme avec éternel. Bah, quand si, pasteur, ti Jean, ou bien ti Pierre, il y a Seigneur, ça non? Ok? Là, pour me capable de montrer, mon ami, les copains qu'on est, pas à venir commenter, on t'a des bagailles. Ok? Parce que ça m'a dit, c'est pas des bagailles comme si ma provision, ça m'a avec vous. C'est des bagailles qui biblique. M'dit, encore, l'aime poste première vidéo, m'dit, à chaque nouvelle lune,
Et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Ou quand qui côté l'écrit? Ésaïe 66, verset 23. Ou après elle là. M'a dit ça encore. À l'Exode 20, verset 8 à 11. Là, dit ça encore. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Là, m'a dit ça, mon ami. Pas occupé, pèse soit moun qui a fait combat avec nous. Guillaume l'évangile qui a prêché sur Internet là, il n'y a pas qu'on qui s'abdit à. Nous, Adventiste du septième jour, frère. M'a dit ça. Ou quand ça fait me répondre? Et parce que moi, Guillaume Pasteur, m'a cité non, oui, Pasteur Mallory qui dit c'est Adventiste qui t'a tué Jésus. Et parce que nex a interprété la Bible, non? Nan sens pa yo pou yo ka fè l'ajan fouye nan nan poche yo. OK? Pou yo ka met l'ajan nan poche yo, mete group moun devan yo a pale, gwo kòl la kou yo. OK? Et bien moun sa yo ki kòt loa ki di se Adventiste ki te tuye Jésus. Oui! Parce que moun sa te lapide Jésus yo, bon dou sa. C'était des moun ki t'a fè pwòz, yo t'a observé le Saint Sabbat. Ou pa konn sa? Hein? Si on t'a des juifs qui t'a fait pause, je t'a observé le sabbat. Mais c'est pas vrai. N'est-ce que c'était pour être capable d'accuser Jésus? Et pour me capable montrer, il y a permis de faire du bien pendant le jour du sabbat. À chaque fois, me fait bien dans le sabbat, c'est un mouvement sabbatique. C'est l'Éternel, oui, dit-il. Et ça fait l'important, mon ami. Pas commenter ça ou pas connait. OK? Pas venir dire en rien dans commentaire sans que ou pas mon verset. Comme témoin là, OK? Ou pas commenter pour pas mon verset qui dit tel bagaille, moi même pour me capable poursuivre ensemble avec vous. Pour capable mettre dans lumière, moi même tout pour me capable mettre dans lumière. Ça est vraiment important. Nous pas pas laisser long ça me penser, ça t'arriver non? Nous prenons camper dans la Bible pour si Bible nommé si on est capable de gagner Adventiste du septième jour. Ou pas capable de jamais arriver à faire ça, mon ami. Depuis que c'est Bible qui est nommé, ou capable de gagner Adventiste, oui? Il y a un Adventiste qui n'a pas sondé les Écritures. Il y a un Adventiste qui parle. S'il parle, il chita, tant que tout le monde. Mais il y a un Adventiste qui lit, mon ami, ou pas capable ouvrir la Bible. Ou pas de pasteur protestant qui a ouvert la Bible avec un Adventiste. Parce que des fois, il y a des bagailles protestants qui ont dit, ils ont dit des bagailles, mais pensez qu'à fait, mais pensez qu'à arriver. La Bible, par contre, ça, mon ami. Dans Matthieu 5, verset 17, à continuer, qui ça dit? Tout en ciel, avec la tête, pas passé. Personne moun pas capable retirer un iota, un virgule, un trait de lettre dans la loi. Ou pas comme ça? Tout bon référence là, oui. Matthieu 5 verset 17. OK? Mon ami et frère mouillé. Si me pas connaître tout, ou t'es capable montrer. Pas prendre avec orgueil non, parce que c'est la vérité. C'est pour la vérité.